Bandeko mwana mobali oyo ba escroqué ye pendant 5 ans na mwasi pe ya bala religieusement traditionnellement mwasi officiel escroqué pendant 5 ans bolanda bino moko. Bonjour. Quand ici, tout le monde, on se plaint que les hommes ne payent pas maison. Les hommes ne payent pas maison. Je vais vous raconter mon histoire. Moi, je vivais dans ma colocation tranquille au calme. J'ai vu la go, on s'est marié. Quand on s'est marié, il dit qu'il n'est pas resté dans la colocation. Quand il lui a dit qu'il est venu vivre avec elle, on a parlé tranquille, il est venu vivre avec elle. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Quand il est venu, elle m'a dit la maison là, elle paye à 860 euros. 860 euros avec toutes les charges qu'elle paie à 860 euros. Elle m'a dit que on dit chez les musulmans, elle est musulmane, je suis musulman, je m'appelle Bakari. Elle m'a dit de payer la maison. Moi, il doit payer toutes les charges. Il dit non, il n'y a pas de problème. Oui. Si elle reste dans ma colocation, je ne peux pas payer la maison. Donc, j'ai laissé ma colocation, je ne peux pas gérer les deux maisons. C'est pour ça qu'elle est demeurée chez elle. Et je lui ai dit, il faut me déclarer. Elle me dit d'attendre un peu, qu'elle a des choses à faire, elle va régler ça. Ça fait 5 ans pour me marier. Depuis 5 ans, je paye 860 euros. Des fois, il me dit à 10 euros qu'elle est montée. Des fois, il me dit à 15 euros qu'elle est montée. Il dit, c'est pas grave, il paye. Je lui donne 300 euros chaque fin de mois pour sa popote. Oui. Regardez. Quand je lui demande bulletin de maison, quittance, elle ne m'a jamais présenté quittance de maison. Jamais. 5 ans, j'ai tout fait. Je fouille souvent derrière elle dans la maison. Je ne vois pas quittance. Vous avez compris, je l'ai trouvé avec deux enfants. On a eu un enfant depuis 5 ans, on a eu un enfant. Ça fait 3 enfants qui sont allés dans la maison. Oh là là. Dieu merci, je suis arrivé. Je trouve le facteur, il vient me mettre enveloppe dans le cou, dans le truc de la boîte. Hé Dieu, j'ai tout mal. Oui. Je trouve le gars de la poste. Il veut déposer courrier dans la boîte là. Il lui a dit que c'est ma boîte. Il m'a donné le courrier. J'ai ouvert le courrier. J'ai vu ces courrier de la maison. J'ai ouvert courrier. La maison, là, on paye 310 euros. 310 euros. Moi, il paye 860 euros depuis 5 ans. Souvent 875, souvent 870. Je paye ça depuis 5 ans avec elle. Je lui ai tout dit de me déclarer. Elle n'a jamais voulu me déclarer. Jamais m'a déclaré. Toujours quand il parle de déclaration, elle m'envoie les discours, façon, on dispute. Ça devient palabre dans la maison. Donc, j'ai laissé tomber au calme. Je suis là, il veut au travail, il fait ce qu'il peut faire dans la maison. Oui. Voilà le bulletin qui est là. Voilà, quittance de maison. Quittance de maison, je paie 300 euros. Quittance de maison. Alors que tous les mois, je paie 860 euros. 860 euros. Oui. Comment vous voyez ça? On va attendre. Il y a même un post de ma vidéo. Elle est descendue pour jeter la poubelle. Je ne l'ai pas montré. Je suis rentré dans la chambre pour aller voir. Il a soulevé le lit. Gars, c'est là-bas. On a quelque chose à m'envoyer. Il a soulevé le lit. C'est là qu'il a vu tous les courriers de maison. Oui. Il a pris. Voilà le courrier. J'ai commencé à fouetter le courrier. Voilà, attendez. Elle arrive. C'est elle qui a la porte là. La vache. C'est elle qui a la porte là. Allô, bébé. Oh là là. Oui, pourquoi? Comment elle lit ça? Non, il y a rien que tu lis ça. C'est la quittance. C'est la quittance de où? Oui. De la maison. Quelle maison? Mais qui t'a donné ça? Pas possible. Moi, je te demande, c'est la quittance de quelle maison? Non, moi, je te demande, c'est la quittance de quelle maison? De la maison? De quelle maison? Mais il y a quoi même? Pourquoi il y a quoi? Non, il te demande. Mais tu sais, c'est qui t'a de maison? Mais de quelle maison? Moi, je sais pas. Mais comment tu sais pas? Faut lire le nom. Je sais pas. C'est quel nom qui est sur quittance là? Ah, mais toi, tu sais lire le nom. Faut lire. Mais moi, il t'a donné. Il dit, c'est quoi? C'est quoi qui est écrit? Moi, je sais pas. Mais toi, tu m'as dit que maison, on paye combien? C'est 800. C'est combien qui est écrit sur papier là? J'ai regardé tout ça. J'ai vu tout le courrier là.
Ça fait combien d'années que je suis avec toi? Ça fait 5 ans qu'on vit ensemble. Et alors? Tous les jours. Non, tu ne me parles pas comme ça. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Tous les jours, je te dis dans la maison, il faut me déclarer. Tous les jours, qu'est-ce que tu me dis? Quand tu te dis, il faut me déclarer sur la maison. Tu me dis, non, Dantan, tu as ça, tu as ça. Mais est-ce que je suis obligé de te déclarer? Donc, tu n'es pas obligé de me déclarer. Je ne suis pas obligé. Donc, moi, il est venu, je suis dans la maison, moi, il va travailler, il paye seulement la mais maison. Mais ça fait quoi si tu payes tout? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais c'est combien il paye dans la maison là? Il paye 860 euros. Depuis 5 ans, toutes les factures sont là. Sinon, la maison est combien? La maison est 800, non? Mais c'est 800 ou? Oui. Mais c'est combien on paye? C'est 800. Sur la facture, c'est combien qui est écrit? C'est que sur la maison, c'est 800. Je ne t'ai pas monté sur ça. Mais la maison là, c'est 860 euros. Oui. Mais nous, on paye comme chaque fin de mois. J'ai dit c'est 800 la maison. C'est 300 qui est là. 300 qui est là. Même si c'est 300, mais la maison. Toi, parce que moi, tu as vu une femme voleuse. Ouais, tu es une femme de voleuse. Tu es une femme voleuse. Voilà, il est voleuse. Il était mort dans ma vie. Voilà, il était mort dans ma vie. C'est pas grave. Il te mourra dans ma vie. C'est pas grave. Mais Allah le bénit sera. Allah le bénit sera. Dieu va te payer. Dieu paye tout le monde. Bonjour. Oui. Quand ici, tout le monde, on se plaint que les hommes ne payent pas maison. Les hommes ne payent pas maison. Je vais vous raconter une histoire. Moi, je vivais dans ma colocation tranquille au calme. J'ai vu la go, on s'est marié. Oui. Quand on s'est marié, il dit qu'il ne peut pas rester dans la colocation. Quand il lui a dit qu'il est venu vivre avec elle, oui. On parlait tranquille, il est venu vivre avec elle. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Quand il s'est venu, elle m'a dit la maison là, elle paie à 860 euros. 860 euros avec toutes les charges. Qu'elle paie à 860 euros. Oui. Elle m'a dit qu'on dit chez les musulmans, elle est musulmane, je suis musulman, je m'appelle Bakari. Elle m'a dit de payer la maison. Ah, moi, il doit payer toutes les charges. Il dit non, il n'y a pas de problème. Si elle reste dans ma colocation, je ne peux pas payer la maison. Donc, j'ai laissé ma colocation pour ne pas gérer les deux maisons. Oh là là. C'est pour ça qu'elle est déménagée chez elle. Et je lui ai dit, il faut me déclarer. Elle me dit d'attendre un peu, qu'elle oui. a des choses à faire, elle va régler ça. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Depuis 5 ans, je paye oui. 860 euros. Des fois, elle me dit à 10 euros qu'elle est montée. Des fois, elle me dit à 15 euros qu'elle est montée. Possible. Je dis, c'est pas grave, je paye. Je lui donne 300 euros chaque fin de mois pour sa popote. Regardez. Quand je lui demande bulletin de maison, quittance, elle ne m'a jamais présenté quittance de maison. Jamais. 5 ans, j'ai tout fait. Je fouille souvent derrière elle dans la maison, je ne vois pas quittance. Vous avez compris? Je l'ai trouvé avec 2 enfants. On a eu un enfant depuis 5 ans, on a eu un enfant. Ça fait 3 enfants qui sont allés dans la maison. Oui. Dieu merci, je suis arrivé. Je trouve le facteur, il met enveloppe dans le truc de la boîte. Hey Dieu, j'ai tout mal. J'ai oui. tout le gars de la poste. Il veut déposer courrier dans la boîte là. Je lui ai dit que c'est ma boîte. Oui. Il m'a donné le courrier. J'ai ouvert le courrier. J'ai vu ce courrier de la maison. J'ai ouvert le courrier. La maison oui. là, on paye 310 euros. 310 euros. Moi, il paye 860 oui. euros depuis 5 ans. Souvent 875, souvent 870. Je paye ça depuis 5 ans avec elle. Je lui ai tout dit de me déclarer. Elle n'a jamais voulu me déclarer. Jamais m'a déclaré. Toujours quand il n'y a pas de déclaration, elle m'envoie les discours, façon, on dispute. Ça devient palabre dans la maison. Donc j'ai laissé tomber au calme. Oh je oui. suis là, il va au travail, il fait ce qu'il peut faire dans la maison. Voilà Britain qui est là. Voilà quittance de maison. Oui. Quittance de maison, je paye 300 euros. Quittance de maison. Alors que tous les mois, je paye 860 euros. 860 euros. Comment vous voyez ça? Mon bacan. Il y a même un post de ma vidéo. Elle est descendue pour jeter la poubelle. Je ne l'ai pas montré. Je suis rentré. Mbote, ba papa, ba maman, bandeko. Mbote, barando, na barandonette. Mbote, bato, balinga karando, na ba oyo, balinga karando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, moi si, ndako ezali,
860 euros. Pendant 5 ans, mon bal à foutre à 850, à Bakissé, les pétros à 50, il y a Bilo Gaulia, pour Nandak. Donc, mon bal à dépenser au moins, sur total et bien, à dépenser à 1200. 10 boy. Chaque mois, c'est comme moi sur 500 wana à Bombarang. Donc, ce que Zanda quoi HM à Bombarang a bénéficié en gros, n'a continué. Ce que Zanda quoi privé à Bombarang a peine à continuer et pas gros à la Makango. Il y a Bayer, il y a concierge, il y a Mutumoko, il y a famille à Bayer. Mais bon, on est taliban. On est ingana lobela. Mais moi, je suis à Balaté, non? À Balaguinembon. Donc, mon balou a fait à Balana. A Zao Kabelembon, comme moi, sinon, pour toucher un bon et belé. Pour mon balango, ava babalana azaki na colocation. Babalani azara peka na colocation. Pe afuti la ramo sindako. Afuti yeye, afuti ndako yeye. Mwa salobite, te yem talobiwi, yemu bali. Te, tova nandako mogo ato balani. Orienga na futa ka dendako. Moi, Sandimi, aïe, va venir d'accord. A continuer de refouler. Ah. 500 pas zouaga. Au moins, ne pas ça, longue longue malungate. Ah, bon, ma balle, yo. Mais bon. Tout cela, ni. Gazan a conseillé au Pessa Bangote. Ni babong, ça, ni babébisa. Tout d'abord, nga so moninga bali na felicita kaka. E bonga na e beba, e za e bangoti. Ndengwa na teba ndeko. Na sugi sinanga yawa, boti kala malamu. Ciao. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne suis pas sur le point de faire vidéo ou de faire live. Mais je fais cette vidéo exceptionnellement pour m'adresser à certaines personnes qui, sur les réseaux sociaux, se promènent pour dénigrer les femmes qui ont déjà 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Je vais vous dire une chose. Quand vous dites que vous ne voulez pas épouser ou vous n'allez jamais marier une femme qui a un enfant, c'est votre choix. Personne n'est contre votre choix. Mais je vais vous dire une chose. Gardez-le pour vous. Vous n'êtes pas obligé de marier une femme qui a un enfant. Vous n'êtes pas obligé. Mais est-ce que vous-même, vous êtes neutre? Est-ce que vous êtes parfait? Ces femmes ont été acceptées par qui? Si on vérifie dans la vie de chacun d'entre nous, vous avez un enfant caché. Si on vérifie dans la vie de chacun d'entre vous, vous avez un sperme qui est déjà enfant quelque part. Vous ne vous rendez pas compte. Mais Dieu sait que vous avez un enfant quelque part dans la vie. Vous ne saviez pas. Le jour de la résurrection, vous allez savoir. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie là. Si tu sais que tu ne peux pas faire là, le fait de garder en toi et continuer ta vie est mieux que de prendre ta bouche pour mettre dans des choses. Tant que vous n'avez pas tué une femme avec ce que vous dites là, vous n'allez pas arrêter. Quand vous sortez tous les jours, vous dénigrez les femmes qui ont fait des enfants. Vous êtes Dieu pour juger ces femmes-là? Non. Vous n'êtes personne pour juger ces femmes-là qui ont déjà eu des enfants. Allah seul connaît dans quel concept ces femmes-là ont eu ces enfants-là. Et Allah seul sait pourquoi il a donné ces enfants-là. Parce que c'est Allah qui donne enfants aux gens. Mais ce que vous faites là, tant que vous n'avez pas tué une femme, vous n'allez pas arrêter. Mais les gars, si on regarde dans votre vie là, vous avez enfant aussi. Vous avez enfant aussi quelque part. Vous ne vous mariez pas. Vous couchez avec les femmes en désordre. Vous leur donnez l'espoir. Vous les encouragez. Vous les faites tomber amoureuses de vous. Vous leur donnez espoir. Et quand vous couchez avec elles, vous trouvez qu'elles sont des fausses femmes. Cela vient de vous aussi. Mais je vous dis, je suis un homme comme vous. Wallahi, si vous n'arrêtez pas votre idiotie, votre ignorance, votre hypocrisie,
en venant dénigrer ces femmes-là tous les jours pour dire qu'on ne peut pas marier les femmes qui ont enfants. On ne mariera pas les femmes qui ont enfants. Allah seul est le juge de chacun d'entre nous. Vous déconcentrez les hommes qui sont concentrés à marier ces femmes. Vous démotivez les hommes qui sont prêts à marier ces femmes. Mais quand vous avez besoin de papier ou bien d'aller au lit pour satisfaire vos libidos de merde, là, vous ne regardez pas si elles ont des enfants. Quand vous avez besoin de vous couvrir dans une maison pour dormir, là, vous ne vous rappelez pas qu'elles ont des enfants. Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Continuez à dire des choses qui sont méchantes. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan nyonso, ya Elengyakomba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un mot vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, et Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu comme je suis un peu comme ça. Je vais d'abord bonjour, je suis un peu na mon boss JP Kiyama, on a un peu de temps. Donc, on a un peu de temps, mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan nyonso, ya Elengyakomba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis Elengyakomba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond. Il y a pas de soucis, je vais qui a maintenant à Ebos, Ebos, Yanni, Amen, Danger. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mon boss JP Kiyama, wana na koza ni saute. Donc na koko le katisa na, na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan nyonso, ya Elengyakomba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un Elengyakomba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond. Il y a pas de soucis, je vais qui a maintenant à Ebos, Ebos, Yanni, Amen, Danger. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mon boss JP Kiyama, wana na koza ni saute. Donc na koko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss.